Salut à toutes et à tous, c'est Hyperanix. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est une petite vidéo en arène. Donc on venait de commencer l'arène donc avec mes potes qui sont JJ, 2309, IceWiz et Ninetwin. Donc on s'est dit, les gars on est chaud, on va en arène. Donc ça c'était une des premières parties, on en a fait 5. Dont la dernière où on s'est fait carrément DDoS parce que on allait gagner presque, bon, on avait deux manches ou une d'avance. Et ce fils de pute n'a pas eu le choix, d'autre choix pardon, que de nous DDoS. Donc il a commencé par moi. En fait on était 3 à 2 ou 3 à 1. On était sur Breach, donc on commençait à les mener un peu. Donc on avait un peu découvert par où ils passaient, genre qui passait par là et qui passait par là. On se démerdait plutôt pas mal jusqu'à que malheureusement d'un coup je tombe en une barre. Donc très surpris, donc des fois ça m'arrive de tomber en une barre très très rarement quand même. Donc j'ai décidé de voir ma connexion sur l'ordi tout simplement. Parce que bon, des fois c'est séparé mais des fois c'est en même temps. Donc je vois que la connexion sur l'ordi elle est nickel, il n'y a rien de spécial. Donc je me dis il y a un problème quelque part. Et deux secondes après, donc j'ai réussi à rejoindre la partie vocale. J'ai appris qu'un de mes autres potes a quitté la game justement parce qu'il était en une barre carrément. Il s'est fait jarter de la partie. Donc oui, on s'est fait DDoS. Donc ça compte comme une défaite malheureusement. Vu que il restait une dernière personne de mon équipe, c'était IceWiz. Et c'était de la R&D, donc c'était mort, il pouvait pas faire le 1v4 tout le temps. Donc il a quitté, donc on a pris une probation en plus de ça, si ça suffisait pas. Mais bon, on s'en fout, ça arrive très rarement. Lui, il avait pas le choix de nous DDoS, sinon on allait l'enculer. Donc le gameplay, en fond, comme je vous dis, c'est un gameplay en arène. Point stratégique sur Stronghold. Donc on était plutôt confiants parce qu'on en avait fait un... genre c'était la deuxième game qu'on avait fait. Et on avait gagné 250 à 50. C'était un gameplay plutôt nerveux. On les a soulevés. Donc dites-moi si vous voulez voir ce gameplay en question. Donc si vous voulez voir le 250 à 50. Personnellement je vous le dis, j'ai pas fait un gros score quoi. Mais c'est plus le teamwork qui est représenté dans l'autre gameplay. Là le gameplay était plutôt serré. Donc je vous dis pas si on a gagné ou on a perdu. Je vous dis juste que c'est serré quoi. Et ça se terminera à... c'est serré mais pas trop non plus. Ça se terminera vers les 40 points. Donc c'est quand même une distance. Vous allez me dire, mais ça se rattrape quand même 40 points. Donc avec l'arme à laquelle j'étais, donc c'était la VMP canon long poignet argot. Donc d'habitude je mets pas ça. Là c'est parce qu'on avait ban un truc, je sais plus quoi. D'habitude moi je mets canon long poignet argot et la crosse. Là je sais pas pourquoi j'ai mis une poignée, pourtant la crosse n'était pas bannie. J'ai pas dû faire gaffe à mes classes, enfin bref, on s'en fout. C'est l'essentiel, c'est que j'ai mis quelques petits trucs quoi. Vous allez voir, durant ce gameplay on s'est pas mal démerdé. Donc comme je vous l'ai dit, c'était notre cinquième partie, donc on vient de débuter l'arène. On en fait tous les soirs pour le moment, on s'est dit tous les soirs on va en faire. Et aussi je me suis inscrit sur G4G, donc Glory for Gamer. Pourquoi pas gagner de la thune en faisant des 2 contre 2, des 3 contre 3, des 4 contre 4. Les 1 contre 1 je pense pas parce que mon... c'est pas que je me juge nul, c'est que les 1 contre 1 c'est pas de la stratégie quoi. Le type fait le bac, fait ton bac et toi tu fais son bac, donc en fait vous tournerez en rond en même temps. Mais au moins vous allez vous croiser, celui qui a le plus de connexion va vous la mettre, ou alors celui qui a le plus de shoot parce que la co ne fait pas tout. Je préfère quand même jouer à plusieurs parce que bon, d'un côté c'est plus fun, même si là on jouait pas pour le fun, je peux vous dire qu'on jouait pour la win. Donc là, comme vous pouvez le voir au score, c'est plutôt serré quand même, 72 à 60. Donc là on est en train d'essayer de creuser un minimum l'écart histoire qu'on soit se rattrape. Le petit problème c'est que moi perso je me rappelais pas trop bien des emplacements de certains points. Par exemple celui-là, moi je croyais que c'était pas là maintenant. Je sais qu'il est là, je sais que ce point, il est plus tard, tu vois. Mais je me disais, putain, il est pas maintenant. Moi, je croyais, justement, vous allez voir, j'allais partir pour le mid, parce que je croyais qu'il était juste à droite du mid. Je trouve qu'il était là, bon, c'est pas si grave que ça. Maintenant, on sait où ils sont. Donc, comme game, on avait fait quoi en arène? Donc, on avait commencé par une liaison. Malheureusement, nous avons perdu 1 à 2, parce qu'on a loupé
plusieurs lancers, donc je crois qu'on en a loupé 3, dont 2 faciles. Donc moi j'en ai loupé 2 par exemple, où j'aurais pu franchement les mettre et je sais pas pourquoi, j'ai tiré trop bas, ça a tapé un rebond, enfin bref, toute une connerie. Là après on a fait 2 games D&D qui se sont très bien passées, donc les games D&D on les gère, à part la dernière où on s'est fait des dos. Donc la première on a mis du 6 à 1, donc gros stall, et la deuxième on a mis du 6 à 1 aussi. Donc en arène on était tombé sur 2 fois Redwood je crois, non, une fois Redwood, une fois Breach. Et la dernière R&D qui s'est mal passée, s'est passée sur Breach aussi. Donc là, ce soir, normalement, je vais pouvoir faire un tournoi 2 contre 2 avec Ice Wiz. Histoire de gagner ces 6 euros. 6 euros quoi. Ça en partage en deux. Donc ça fait 3 balles chacun. Donc via PayPal, hein, bien évidemment. On ne sait pas si on va gagner. Si on gagne, je pense que je vous le posterai. Ou même si on perd et qu'on fait une game plutôt intéressante à voir, je pense que je vous la posterai. Là j'ai trouvé que cette game était nerveuse, le score était enfin, pas mal serré, les deux équipes sont bonnes, hein, faut pas croire. Les gars en face ils étaient plutôt bons, ils avaient des plutôt bons déplacements. Bon, vous allez voir les scores à la fin, qu'il y en a un qui a fait quand même un 51 kill sur nous quoi. Donc je lui dis GG parce que franchement c'est quand même assez chaud de mettre 50 kills en ligue, enfin en arène, il dit que c'était sur BO2. Mais c'est assez chaud de mettre 51 kills en sachant que bon j'ai un niveau correct on va dire ça. Et surtout que bah, mon équipe a à peu près le même niveau que moi. Donc on était une team plutôt correcte quoi. Et il nous a mis 51 kills. Je vous dis pas nos scores à nous, ce sera une surprise, je vous les montre à la fin de toute façon. Donc le gameplay, il reste encore 4 minutes à peu près, ouais. Non 5 minutes. 5 minutes il reste. Donc je peux pas commenter tout le temps non plus, j'ai pas grand chose à dire. Là je vais continuer un peu, genre bah, par exemple l'avenir de la chaîne. Donc qu'est-ce que je vais faire ces temps-ci, dans les 2 semaines qui vont suivre par exemple, ou trucs par là. Donc moi je suis dans le principe où pour le moment je fais des top 10 quoi. Après là comme vous pouvez le voir, j'ai fait 2 games en live, que je trouve plutôt pas mal. C'est pas une très très grande qualité vu qu'il n'y a pas beaucoup de montage, mais j'aime bien. Après, il y a les games comme ça où je vous commente une partie en différé. J'aime bien aussi parce que, bon, par exemple, je m'attends pas à taper un petit gameplay, tu vois. Donc si vous voulez, je ferai peut-être les games d'arène en live, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal. Donc bon, après, le tournoi Glory for Gamer, je sais pas si je vais vous le faire. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je suis à rien de mes streaks. Je suis à 50 points. Là, je voulais les avoir histoire de débloquer un peu. Donc là, on gagne quand même de pas mal de points, on gagne de 80 points. Mais je voulais avoir mes score streak au cas où s'il tapait une petite remontée. Donc malheureusement, je fais une assistance, donc 25 points. Je suis à 25 points de mon foudroiement, une deuxième assist. Donc là, je suis à 50 points de mon Hellstorm et malheureusement, je me fais tuer. Si j'aurais fait les 2 kills, bah, j'aurais eu mes 2 séries de points. Donc là, j'ai décidé de la lancer. Donc vous voyez, il reste pas beaucoup de secondes, mais c'est histoire de les ralentir un minimum. Mon coup près, donc je vais pas tarder à l'utiliser puisque vu l'emplacement du prochain point, j'ai trouvé cool de l'utiliser. Voilà, donc à gauche, c'est parti. Donc il y avait un gars au mid, donc là lui je vais tirer dessus, donc il a de la chance, il a de jump, je suis réussi à l'avoir. Et là j'ai baissé trop tard, donc mauvais réflexe, hein, on peut pas tout le temps faire le top. Là, bah, on rentre dans... là, ce point, on a galéré à le choper parce que vous voyez, ils sont pas mal organisés dans ce point, c'est le point qu'on a le plus galéré à prendre. Donc nous le point qu'on gérait le plus c'était soit le mid soit la maison. J'ai bien aimé enfin notre façon de nous positionner dans la maison, vous le verrez, vous avez déjà vu un peu comment on se pose, mais vous allez le revoir vers la fin du gameplay comment on va se reposer. J'aime bien. De toute façon là on commence, hein, donc on peut pas tout le temps faire des bonnes games, sachant que à un moment j'ai eu tellement peur parce que il commençait à remonter de beaucoup de points en fait. Donc on a eu peur, mais bon, c'était assez compliqué. C'est-à-dire que par exemple là, on a eu le point, mais on a eu le point que pour même pas aller 10 secondes, quoi. Donc mon 10 secondes est égal à 10 points à peu près. Voilà. Donc ce point, on a un peu galéré à le choper vu que voilà, donc lui avait ses score streak, il me l'a balancé sur moi. Perso, je m'en fous parce que les autres, bah, ils étaient deux. Donc voilà. Là, je vais prendre un truc. C'est là, ouais. Truc méchant. Voilà. Ça c'est un truc, j'ai pas envie d'en dire plus. Ouais c'est un turn, ouais ça s'appelle un turn. Donc après là voilà, là je me suis fait
déglinguer ma mère. Donc ce point, franchement, en lui-même, je le trouve tellement chiant parce que c'est un coin renfermé. Donc vous voyez, hop, on peut dénicher les campeurs viteuf. Mais il y a trop de coins, c'est trop resserré pour moi. Je préfère les endroits à l'air libre, par exemple. Il y a plus moyen de faire beaucoup de choses. Donc là, je tente des duels de loin. C'est pas histoire de jouer le kill, non, 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 c'est histoire un peu de les ralentir. Parce que je sais très bien que le kill, je galère à le mettre. Donc là, 217 à 167. Donc là, ils arrivent pas trop à marquer de points. On avance pas mal. Donc là, on commençait à prendre le mid. Donc on était bien parti pour le tenir, le mid. Sauf que... voilà. On s'est fait baiser par le foudroiement. Donc bon, ils l'ont chopé directement après. On aurait pu le garder un peu plus longtemps. Donc peut-être... peut-être gagner plus de points, quoi. Donc le mid, normalement, on arrive à le gérer. Parce qu'on a une bonne position, mais là j'ai pas de chance. Regardez, je glisse, il met allez, 5 balles. 5 balles, c'est normal. Hein. Je dis genre, voilà, j'ai pas eu le temps quoi. Alors là, sur ce coup, par contre, on a galéré à bien le cover le mid, comme vous le voir. Donc on a fait un kill par-ci, un kill par-là. Mais résultat, tu vois, c'est assez chaud. Heureusement que là, Ice Wiz a fait la double. On a gagné quelques points. Là, je tente des duels. Bon, il a tué, voilà. Là, il l'a tué aussi. Donc j'avais même pas fait gaffe qu'il m'avait volé autant de kills. Petit turn, voilà. Donc je lui ai rendu, je sais pas si c'était lui, mais en tout cas j'ai rendu au gars de son équipe le turn que l'autre m'avait mis, ou même si c'était lui. Donc là, 2 points il nous reste. 181 à 248. On se dit, bon les gars, on rentre, on fait 2 secondes. C'est plié. Faut savoir un truc, c'est que, là je vais vous le dire, on a galéré à prendre ce point. Donc vous voyez, il reste 2 points chez nous, on a galéré, on s'est dit, bon les gars, on y va à fond. Résultat, je peux vous le dire, on a réussi à prendre les 2 points. Voilà. Donc, sur le coup, on a gagné. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker, bien évidemment. Mettre un petit commentaire pour proposer un style de vidéo que t'aimerais voir sur la chaîne. Allez, ciao. Et sur ce, on finit sur un 47-35 quand même.